Le marché parisien accélère ses gains ce midi et se dirige à grands pas vers les 5200 points. Et la plus forte hausse du CAC 40 ce midi est signée Nokia. Le gouvernement recevra jeudi les partenaires sociaux, des élus, puis la direction de Nokia France, après l'annonce de 600 suppressions d'emplois supplémentaires en France d'ici 2019. Le titre Vivendi s'adjuge près de 2% grâce à Raymond James qui a relevé à Achafor sa recommandation sur le titre. Bonne forme également pour les valeurs bancaires alors que les investisseurs se préparent à un prochain resserrement de la politique monétaire de la BCE. Il y a seulement deux valeurs en baisse modeste ce midi sur le CAC 40, il s'agit de Renault et Peugeot. L'action Score met fin à une longue série baissière et s'affiche parmi les plus fortes hausses du SRD ce midi sur un gain de plus de 3%. Les dirigeants du réassureur ont fait savoir lors de la grand-messe annuelle du secteur à Monte-Carlo que l'exposition aux dégâts occasionnés par Irma dans les Caraïbes sera limitée. Et par ailleurs, la société avait nettement réduit son exposition à la Floride lors des derniers renouvellements de janvier dernier. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.